Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est accusé à travers son cabinet Brain Trust d'avoir influencé l'attribution d'un marché de 14 milliards pour la réalisation du code pénal. L'homme politique Vincent Sostenfouda démontre ici que Maurice Kamto a toujours menti sur son détournement des 14 milliards. Écoutons maintenant le décryptage du docteur Vincent Sostenfouda sur le détournement des 14 milliards par Maurice Kamto. Écoutons. Bonjour, mes chers concitoyens. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur la fameuse affaire de Brain Trust. Affaire Brain Trust, quand il y a flou, il y a loup. Et aujourd'hui, le loup est dans la gorge de Monsieur Maurice Kamto. J'ai choisi d'aborder ce sujet avec vous pour plus d'une raison. La première est que la propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. La seconde raison est que, après avoir supporté pendant 36 ans la gabegie politique et économique, la dictature des voleurs, il est important pour le peuple camerounais de se poser la question de savoir s'il est possible aujourd'hui de placer l'éthique économique, politique et sociale comme enjeu véritable de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Notre cerveau est le champ de bataille des puissants, le terrain privilégié où se joue leur influence et leur pouvoir sur les masses. Alors, que nous reste-t-il? Pourquoi les médias, les hommes de pouvoir, les publicistes et tous ceux qui s'intéressent à la communication, les agences de renseignement et leurs opérations psychologiques, ne s'expriment pas sur l'affaire Brain Trust? Maurice Kamto a eu de nombreuses sorties, certaines organisées, structurées, pour lui donner une virginité politique. Mais aucun média, aucun journaliste, aucune agence de communication, aucun homme politique n'a réussi et n'a souhaité aborder véritablement l'affaire Brain Trust. Nous sommes comme plongés donc dans l'obscurité et partout où l'on regarde, il y a l'ombre qui gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent, les médias jouent au castrateur, les coups pleuvent en dessous de la ceinture, le cercle d'ombre se resserre et les cris d'hommes, des hurlements de fauves sont étouffés. Oui, pourtant nous sommes, j'en suis persuadé, une majorité dans ce pays à dire non au triomphe de l'ombre. Nous savons que le salut du Cameroun dépend de nous aussi, que ce pays, oui, ce pays qu'est le Cameroun, a besoin de n'importe lequel d'entre ses fils et filles pour se construire. L'affaire Brain Trust, qu'il y a-t-il donc? Au départ, c'est un article dans le Confidentiel, la lettre du continent numéro 641. Dans sa rubrique « Pouvoir et réseau » du 30 août 2021,
2012. Il est dit « Camto dans les griffes de l'épervier ». L'article est signé par un journaliste que je connais très bien et que je respecte, Frédéric Lejal. Il écrit en poste auprès de l'ex-garde des Sceaux et actuel vice-premier ministre chargé des relations avec le Parlement, Amadou Ali, Maurice Kamto a été, ces dernières années, l'artisan de la réforme de l'appareil judiciaire camerounaise. Jusque-là, rien de grave. Or, cette dernière, dotée d'un budget de quelque 60 millions d'euros, c'est-à-dire 39 milliards de francs CFA, a été pilotée de bout en bout par le cabinet Brentross Consulting Inc. Là, ça commence à être intéressant. Brentross Consulting Inc. Donc, le directeur général n'est autre que Maurice Kamto lui-même. Un conflit d'intérêts que le palais de Toudi ne devrait pas tarder à agiter. Selon nos sources, une procédure judiciaire serait même en préparation par l'actuel ministre de la Justice, Laurent Esso, et son ministre délégué, Jean-Pierre Foggy. Fin de citation. Le quotidien Mutation, sous la plume de Georges Alain Bouyomo, rédacteur en chef, écrira alors sur la base de cette publication, le 3 septembre 2012, un article sur le sujet. L'épervier plane-t-il sur Kamto? L'affaire a donc fait les belles pages dans la presse écrite, sans pour autant émouvoir ni la classe politique camerounaise, ni le peuple empêtré dans ses problèmes de survie au quotidien, mais le 2 décembre 2012, et c'est là que c'est intéressant, le professeur Maurice Kamto accepte une invitation à la carte à lui adresser par David Atemken dans l'arène de Canal 2 International. Répondant à une question de journaliste, une question, c'était, il me semble, dès la 46e minute, sur une émission qui mettra 1h53 minutes et 28 secondes. Temps plus jamais égalé pour cette émission dans notre pays. Je vous invite, vous qui vous joignez à nous, à distribuer ce direct pour qu'il ne soit pas interrompu. Donc, je vous invite à le partager avec vos amis. Maurice Kamto bafouille, bégaye et dit « Je vais vous dire ce que Brentross a gagné comme marché. » Le cabinet Brentross a gagné un marché d'élaboration, pas de toilettage, mais d'élaboration d'un code civil, d'un code de procédure civile et de refonte du code pénal camerounais. Ça fait trois marchés. Maurice Kamto prend 34 secondes pour le dire. Puis, il va dans le registre qui sera le sien dorénavant et qu'il inaugure le 9 janvier 2014 chez M. Thierry Ngongang, encore à l'époque journaliste à STV. Donc, lors de l'émission Entretien avec, celui de l'homme qui a assisté à l'exécution d'Ernest Ouandié à Bafoussam alors qu'il était encore élève au lycée de la localité. Oui, il est jeune élève à qui l'on demande de descendre d'un car de transport, un transport en commun, parce qu'il n'a pas le laissez-passer pour aller en vacances à Baham, voir ses parents. Ce sera désormais la ligne d'expression de Maurice Kamto. Mais le professeur
peine à parler de ses actions au gouvernement, de ses responsabilités, de ses amitiés avec un certain nombre de personnalités en activité ou tombées en disgrâce. C'est le cas de M. Jean-Marie Atanganamabara et de Paul Fokam Kamounier. Ce sont ces hésitations, ces balbutiements qui vont alerter l'opinion, qui vont conduire certains à fouiller un peu plus. C'est mon cas, c'est mon travail. Épistémologie d'un détournement de plusieurs milliards. Voici ce qui se dit. Voici ce que les analystes disent de M. Maurice Kamto. Un de ses anciens employés, Serge Alain Godon, dans un portrait que lui dresse le journaliste Alex Sioué pour Jeune Afrique le 5 janvier 2005, après son entrée au gouvernement du 8 décembre 2004. Je cite, « Il pouvait débarquer après une longue absence, chargé de tous les numéros parus, avec des notes à chaque ligne. Il déroulait alors sa critique de façon implacable, toujours dans le but de bonifier le journal. » Fin de citation. Alex Sioué décrit donc un homme d'une rigueur qui frise la rigidité, un humour féroce et un talent oratoire qui laisse peu de place aux autres et ne pousse pas toujours à la sympathie envers lui. Fin de citation. Alors, pourquoi cet avocat si éloquent, à la rhétorique au-dessus de la moyenne, perd-il tout son latin dès qu'il s'agit de parler du contrat Bantros Consulting avec l'État du Cameroun? Mes chers compatriotes, pourquoi Maurice Kamto n'est pas capable de présenter le contrat qui lie son cabinet à l'État du Cameroun dans un document des actes du Cameroun Business Forum? Nous avons retrouvé une communication du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, M. Amadou Wali. Ce document est accablant. Il m'est arrivé de publier des extraits de ce document. Mais ce document nous permet au moins une chose. Il nous permet de découvrir que le contrat qui lie Bantros à l'État du Cameroun porte sur l'élaboration d'un code civil et commercial, d'un code de procédure civile et commerciale bilingue d'inspiration romano-germanique et du common law élaboré en même temps que la réforme du code pénal. Sur la base du même document, il est aisé de constater que Bantros n'était pas, je dis bien, Bantros n'était pas sous contrat avec le gouvernement camerounais avant l'entrée de Maurice Kamto au gouvernement. Nous reproduisons d'ailleurs dans plusieurs de nos communications un échange digne d'intérêt pour la compréhension de la frilosité qui habite cet intellectuel réputé pour son indépendance d'esprit, juriste respecté. Question directe et précise, réponse poussive, semi-agressive et ambiguë. La question, la voici. Monsieur le Président, le mensuel confidentiel, la lettre du continent, vous a épinglé, dans une de ses récentes parutions, d'avoir profité de votre position de ministre délégué auprès du ministre de la Justice pour influencer l'attribution du marché estimé à plusieurs dizaines de milliards pour l'implémentation d'un nouveau code de procédure pénale au cabinet Bantros Consulting, dont vous êtes le fondateur, vous rendant par là coupable
du crime de délit d'initié. Maurice Gamto, comme avocat, sait très bien ce que ça signifie, un délit d'initié. À cette information, dites-nous, est-elle fondée? Deuxième question, comment comprendre votre étrange mutisme face à une accusation aussi grave? La réponse de Maurice Gamto est un chef-d'œuvre d'amalgame, de menaces à peine voilées, de victimisation aussi. Il dit ceci. « Je connais bien le Cameroun. Je sais qui émarge où et pour quel service. Ceux qui alimentent la lettre du continent au Cameroun sont bien connus de moi. Rien ne va me distraire. N'attendez pas que je rentre dans ce type de polémique. Vous m'interrogez sur mon silence depuis lors. Sachez que je ne suis pas friand de plateaux de télévision. Je ne réponds pas aux rumeurs. Cet entretien est reproduit et vous pouvez le vérifier sous la plume de Thierry Djoussi dans l'édition de la météo du 1er octobre 2012. Mes chers concitoyens, le cabinet Brentrust Consulting a un package de 18 marchés avec le ministère de la Justice sous le règne de Maurice Gamto, mais aussi des marchés séminaires comme celui relatif à l'exégèse du droit d'auteur au Cameroun. Je suis tout à fait disposé à mettre à votre disposition les 10 documents. Le 9 mars 2011, dans une seconde communication, voici ce que déclare le ministre, le vice-premier ministre Amadou Wadi. Il est encore vivant, il peut être interrogé. Pourquoi donc tant de contradictions entre les documents présentés en libre circulation et les déclarations publiques de M. Maurice Gamto, avocat, directeur général de Brentrust Consulting? Pourquoi fournir à l'analyse publique un appel d'offres en lieu et place du contrat? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Car la supercherie est grande, comme vous pouvez le constater, dans les documents que Maurice Gamto a lui-même fournis à l'analyse publique. Oui, les documents que nous avons sous les yeux, que nous avons consultés, sont révélateurs à plus d'un titre de l'esprit de dissimulation et de manipulation qui habite le président du MRC, Maurice Gamto. Et ce, est cet esprit. Là, je pose la question, vraiment, est-ce cet esprit de dissimulation et de manipulation qui a poussé la journaliste Armel Nga, aujourd'hui réfugiée au Congo, qui qualifie alors Maurice Gamto de méticuleux? Le document que nous avons consulté nous montre simplement que nous sommes en face d'un appel d'offres pour un recrutement, pour le recrutement d'un cabinet de consultation chargé de l'actualisation du code, de l'élaboration d'un code civil bilingue et d'un code de procédure civile et commerciale bilingue Common Law, montant du marché 89 258 625 francs CFA. Autrement dit, mes chers concitoyens, Brentrust, sur ce contrat, est recruté comme agent devant présenter au bout de 20 semaines un cabinet au gouvernement camerounais, pouvant faire le travail demandé. Maurice Gamto et Brentrust Consulting vont non seulement présenter un cabinet au gouvernement et empocher donc les 89 258 625 francs, mais ce cabinet est aussi Brentrust Consulting. Pour ce marché gagné, Maurice Gamto et Brentrust Consulting vont empocher un package de 14 milliards. Les documents que nous avons fournis à tous les journalistes ici sont là, non pas pour culpabiliser
celui que son ami Jean-Marie Atanam Bara, secrétaire général de la présidence de la République, fait nommer doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de soi, celui dont l'entrée au gouvernement, composée par Jean-Marie Atanam Bara, fera l'objet de grandes tractations entre le palais d'étudiants et la résidence de Jean-Marie Atanam Bara pour un poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je viens de citer là Jean-Marie Atanam Bara dans Lettre d'ailleurs, page 193. Maurice Kamto n'a peut-être rien inventé ici en matière de passation de marché public, où très souvent, ce sont les épouses et les sociétés écrans des gestionnaires de crédit qui réalisent les marchés, mais il serait malhabile de nos points reconnaître que Brentross Consulting n'a pas gagné le marché de toilettage du code pénal. Il a gagné quoi? Il a gagné un marché pour trouver un pénaliste pour faire le travail. Brentross s'est attribué ce marché de gré à gré. Je dis bien, M. Maurice Kamto s'est attribué ce marché de gré à gré. Et c'est un crime économique. Absoudre Maurice Kamto au nom de la solidarité de l'opposition, c'est abdiquer, c'est confirmer le triomphe d'un clan sur la majorité de la population. Je le dis, absoudre Maurice Kamto au nom de la solidarité de l'opposition, c'est abdiquer, c'est confirmer le triomphe d'un clan sur la majorité de la population. Non, ne nous trompons pas de combat. Nous avons choisi de servir le peuple camerounais dans son entièreté. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair. La corruption, pourquoi il sera différent pour Maurice Kamto? Pourquoi il en serait différent? Comprenons-nous bien. Face à un juge d'instruction, voici ce que je dirais. Le 8 décembre 2004, quand Maurice Kamto entre au gouvernement, au poste qui lui est attribué, la manœuvre est déjà mise en place pour détourner les fonds alloués par l'Union européenne et que l'ordonnateur de l'époque au ministère des Finances est au courant. Voilà pourquoi il payera malgré la duperie visible et grosse comme un point sur la figure. 2. Que Maurice Kamto, dès sa première prise de parole, après sa sortie du gouvernement le 2 décembre 2012, sur le plateau de Canal 2 International, va mentir, travestir la vérité devant Xavier Messé. C'était la question de Xavier Messé. Et il a travesti la vérité. Il a menti. Troisièmement, que le mardi 17 avril 2018, invité par Jean-Bruno Tagne, dans une émission taillée aux mesures de sa gandoura, Maurice Kamto va mentir à nouveau, en racontant qu'il n'était pas au Cameroun au moment de l'attribution du marché à son cabinet Brentross, en omettant volontairement qu'il avait, avec le Cameroun, un package de plusieurs marchés. Quatrièmement, il a menti une troisième fois en organisant une sortie sur une web TV où pendant 1 heure 51 minutes et 50 secondes, Maurice Kamto va à nouveau mentir aux internautes, aux Camerounais sur l'affaire Brentross. Cinquièmement, mesdames et messieurs, et le plus tordu de l'affaire est qu'il ne souhaite pas reconnaître ce détournement de cet argent qui n'est pas un don de l'Union européenne, comprenons-nous bien au Cameroun, mais un prêt que le peuple camerounais d'aujourd'hui et de demain va devoir rembourser avec les intérêts qui vont avec.
Oui, il faut qu'on se le dise en vérité. Oui, mes amis, une maman, je dis bien une maman dans un village, un enfant dans une maison, un écolier sur la route de l'école comprendrait cette super chérie. Combien de fois vous? Oui, c'est bien facile d'insulter M. Vincent Fouda, de dire tout ce que vous voulez, mais quand même, soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous demandez à votre petit frère de vous trouver un cordonnier pour vos chaussures. Et il vous dit, grand frère, comme vous me demandez de vous trouver un cordonnier, si je le trouve, vous me donnez 1000 francs. Ok, marché conclu. Il vous trouve le cordonnier. Il revient 2 jours après et vous dit, j'ai trouvé le cordonnier. Et comme promis, vous lui donnez 1000 francs. Quand vous lui demandez le nom du cordonnier, il vous dit, c'est moi, le cordonnier. Et pour cela, il empoche aussi les frais de réparation de la chaussure. Est-ce que vraiment vous jugez que c'est normal? Voilà donc ce qu'a fait Maurice Kamto. Et avec lui, une longue chaîne de responsables de la République, dont certains sont encore en poste aujourd'hui. Moi, je dis ceci. L'éthique doit être la boussole de la politique publique et économique de notre pays après 36 ans de gabégie et de détournement de deniers publics. Notre pays a besoin d'entrer durablement dans la modernité, assis sur des valeurs solides et non d'être conduit par des hommes et des femmes sur qui pèse plus qu'un soupçon, mais qu'accable des preuves. Je dis bien des preuves. Alors, qu'il ne reste plus rien dans les caisses de l'État, comment pouvons-nous reconstruire la confiance perdue alors que les caisses de l'État sont vides, alors qu'on veut nous vider, on veut vider notre tête de toute capacité à réagir? Mes chers amis, oui, mes chers amis, comment pouvons-nous reconstruire la confiance perdue? Comment pouvons-nous combattre la finance débridée au service de la corruption si nous ne désignons pas avec fermeté les principaux responsables? Absoudre, je dis bien absoudre, Maurice Kamto est un crime encore plus grand. Mon devoir de citoyen, mon devoir d'intellectuel, mon devoir d'homme politique m'amène à dire, nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, j'en ai terminé. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Salut à tous, je suis Serge Tamba et j'ai décidé de parler à beaucoup de mes frères camerounais, surtout ceux qui sont à l'étranger. Je voudrais quand même vous encourager, pour beaucoup d'entre vous qui avez décidé de partir du Cameroun, pour chercher une vie, peut-être pas meilleure, mais selon vous une vie meilleure. Dans ce contexte, je voudrais savoir aux uns aux autres, beaucoup se sont revendiqués, panafricanistes, africanistes, vous avez tellement de grosses expressions que je ne sais plus où vous situer. Ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que quand on est jeune Camerounais, on pense que c'est en allant franchement à l'étranger qu'on peut mieux construire le Cameroun? Je pense que, à la longue, ça démontre qu'en allant à l'étranger, beaucoup d'entre vous ont un rêve. Un rêve contraire, c'est de détruire le Cameroun. Je sais qu'en Allemagne, il y a une grande communauté camerounaise. Je ne veux pas situer la raison. Mais je sais que beaucoup d'entre vous cotisez pour faire du mal à votre propre pays. Je sais qu'en France, des gens ont marché. Ils ont fait de la casse. Mais je ne sais pas si on va vous appeler gilet noir, gilet brun, mais
je constate que j'ai une annonce que j'ai regardée là. J'ai une annonce que j'ai regardée, j'ai appris qu'il y a une marche dans le monde entier. C'est comme ça que vous comptez changer le Cameroun? C'est comme ça que vous comptez changer le Cameroun? C'est-à-dire le combat à l'intérieur. Et vous décidez, vous, d'aller à London, d'aller à Paris, Washington DC, je sais pas où encore, à Tokyo, aller à Dubaï. Vous dites que c'est là-bas que vous allez faire des marches. Courez! Ne marchez pas, courez! Allez casser! Nous, du moment où vous venez pas casser ici, nous sommes tranquilles. Vous pensez que c'est à Paris, c'est à Londres, c'est à New York, c'est à Bruxelles que vous allez chasser Biya du pouvoir? Moi, je suis républicain. Je respecte les institutions. Après Biya, je vais respecter le prochain président de la République. Avant Biya, je vous dis, moi, Serge Tamba, en radio, je rendais toujours hommage à Madouaï Diop parce qu'on n'efface pas l'histoire. Et vous n'allez pas effacer l'histoire de Biya. Insulter sa femme, insulter sa mère, insulter la démocratie qu'il vous a accordée, insulter même vos oncles qu'il a nommés, que les ministres même qu'il a nommés l'insultent, qu'ils viennent le concurrencer. Vous n'allez pas effacer l'histoire. C'est lui, un mec qui a 86 ans, qui fait les pompes et les abdos. Il est encore fort, c'est Dieu qui décide. Regardez le ciel là, regardez le ciel. C'est Biya, Biya qui décide. Et je suis en train de dire, faites vos choses là-bas. Les Camerounais ne sont plus dupes. Une minorité de Camerounais a décidé tout simplement de nous mentir, d'opposer les Bamileke, les Béti. Avant, c'était les musulmans contre les Béti. Maintenant, c'est déjà les anglophones contre les francophones. Une minorité de personnes, une minorité de Béti décide tout simplement de vouloir pourrir le pays. Une minorité de Bamileke décide de vouloir pourrir le pays. Une minorité de musulmans décide de vouloir piller le pays. Une minorité d'anglophones décide de vouloir faire ce qu'ils veulent. Non, nous sommes là. Regardez, moi je suis tranquille dans mon pays. Je me lève. Je suis tranquille. Voilà le stade Omnisports. Je suis là, regardez. Est-ce que j'ai besoin? Je dis, marchez, courez, parcourez. Hein? Faites tout ce que vous voulez là-bas. Mais vous prenez du retard, mes frères. L'Europe est en crise. Regardez, vous pensez que le monde meilleur, c'est là-bas seulement? Battez-vous comme vous devez vous battre, pour vos familles. N'allez pas mentir aux uns aux autres. Et en plus de cela, la majeure partie des informations sur la toile sont fausses. Est-ce que je vous ai déjà dit un jour que j'ai bénéficié des grâces de tel ou tel? Tamba se bat au micro, à la présentation. J'attends pas les grâces, mais de façon patriotique, je défends mon pays. Je défends mon pays. Je me bats pour mon pays. Battez pour votre pays et non pour les intérêts de quelqu'un. Imaginez-vous que même si vous vous battez pour quelqu'un, dès que quelqu'un vous voit, est-ce qu'il pense à vous? Il ne pense pas à vous. Donc, votre marche-là, il y a d'autres Camerounais que moi j'interpelle. D'autres Camerounais qui vous diront, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Laissez les gens vivre tranquilles. Allez au village faire les champs ou venez en ville. C'est-à-dire que vous êtes honnête et sincère dans votre métier. Moi, quand je commençais l'animation, j'avais dit, je pars des kermesses. Je vais, je sais pas où. Et dites-vous bien que j'étais le fils d'un ministre, Henri Bandolo. Hein. Malgré le fait qu'il soit ministre, j'allais faire des kermesses. J'ai décidé de commencer la radio. Je l'ai faite. Je me suis battu avant qu'on ne puisse m'aider. Je me suis d'abord battu imposé. Dehors, kermesses, boîte de nuit, partout, animateur radio, et un des meilleurs de sa génération. Parce que Serge Tamba, c'est le meilleur animateur présentateur du Cameroun d'Afrique. Si aujourd'hui, vous voulez en finir avec les Samuel Eto'o, en finir avec Samuel Eto'o parce qu'il a pris une position, vous en voulez à Samuel. Si, parce que Biya a fait ceci, pour l'instant, c'est le président de la République, élu, reconnu. Vous envoyez les avocats, vous envoyez les Américains, tout le monde rentre la queue entre les jambes. Donc, que ce soit Tartapion, que ce soit qui sera président de la République, je vais respecter le Cameroun. Mon intérêt, c'est pour mes enfants. Vous voulez changer quel Cameroun? Vous pouvez changer quel Cameroun? Arrêtez ça! Arrêtez ça! Hein? Je vous adore, mes frères, je vous adore. Et je dis encore que ceux qui aiment insulter, là, continuez à insulter. Serge Tamba, c'est quand vous m'insultez que je fonce. Moi, je suis un fonceur. Je me suis battu et je continue à me battre. Je tiens et je résiste.
Merci à tous. Vive la République, vive le vert ou jaune. Qu'on ne vous emballe pas dans les histoires de marche-là. Les gens ont leurs intérêts, ont leur petit argent qu'on leur donne, beaucoup de caisses pour aller faire le désordre. Et quand ça arrive, on les abandonne. Parfois, vous n'avez pas les papiers. Hein? C'est vous qu'on attrape. Ceux qui ont les papiers font les trucs. Ils se disent en fait qu'ils vont bénéficier des circonstances atténuantes. Merci, portez-vous bien, Serge Tamba. Cette affaire de 14 milliards semble refaire surface aujourd'hui. En fait, le détournement concernait un marché qui aurait été attribué au cabinet Brent Trust, cabinet dans lequel Maurice Kamto avait travaillé. Et selon les accusations, Maurice Kamto aurait donc magouillé pour accorder ce marché de 14 milliards à son cabinet Brent Trust. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.